son accompagne à Jésus-Christ. Vraiment, sans plus tarder, de télévision mon stapoli. Et là, on a mon bon goli kota. Vaya couper sa vie sous bile à mon livre. Jésus-Christ, pambala moko na moko. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun de nous. Yesu akuma manaye. Que Jésus-Christ. Amen. Aleki na nyonso. Amen. Yende nganga na missioni. Amen. Les sacrificateurs waza en mission en fonction de l'eau. C'est lui le sacrificateur en fonction aujourd'hui. C'est lui. Tabernacle qui n'est pas fait de mes dons. C'est lui qui était entré avec le sang dans le lieu très saint qui n'est pas fait de mes dons. Il a traversé le ciel même. Avec son propre sang. Nganga na mission. Donc c'est lui le sacrificateur en fonction. C'est lui que nous témoignons. Nous disons que tu es très élevé, tu es plus que de tous, tu le surpasses. Amen. Parce que tu es plus grand. Tango mon santo ayembaka. Lorsqu'elle s'enchante, c'est ça. Donc le chant produit du cœur. Que le Seigneur soit loué. Nazwa kumama na yo. Nazanga kumama na yo. Je monte, sois loué, Seigneur. Na tango nyoso na potato la yo. Nous servons le Seigneur parce qu'il est un vrai amour. Dis-lui qu'en tout temps, Seigneur, aide-moi à marcher dans ta volonté. Même si c'est très dur, donne-moi la force de me prosterner devant ta voix. Naïba que sur la terre, tous les passagers étrangers. Que je sache que sur la terre, nous sommes passagers des étrangers. Tous à notre cité. Tous à l'île et Gumbanabiso. Jérusalem d'en haut. Tous à l'île, Jérusalem et Amakolo. Et tous à l'île, vous êtes notre sauveur. Et nous attendons notre sauveur. Oya koya pour transformer notre corps d'humiliation. Oya koya pour bongo la nzoto ya bousoni na biso. Pour appeler biso nzoto ya kembo. Pour nous donner un corps de gloire. C'est ça. C'est ça notre. L'attente ya mon centre. C'est ça l'attente d'un saint. C'est pourquoi natambo nyonso folo bakanzambe kumama na yo. C'est pourquoi tout temps tu dois louer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Vraiment, tous allez na joie parce que nous avons besoin de son colonalelo par sa grâce. Vraiment, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a donné le jour d'aujourd'hui par sa grâce. Il a besoin de son paiement. C'est lui qui nous a donné le souffle. La sangue si biso na bolingo na ye. C'est nous, c'est lui qui nous a réunis dans son amour. L'Éloïsa le 22 octobre 2021. Aujourd'hui, c'est le 22 octobre 2021. Nous continuons avec le quatrième saut. Nous allons élever par point, moko na moko ezana kati par la grâce. Nous prélevons point par la grâce du Seigneur. Et nous savons que le Seigneur saura nous assister.
Et tozotanga. Et nous lisons. Nakati akotanga na biso. Et dans notre lecture. Tozozoa Apocalypse chapitre 12. Nous prenons Apocalypse chapitre 12. Mais voyez bien que tozaga na kati ya quatrième saut. Mais tu dois savoir que nous sommes toujours dans le quatrième saut. To tangi na kombo na Yesu Kristo. Nous lisons au nom de Jésus Christ. Tozotanga le verset premier. Nous lisons le verset premier. Tiens, verset sixième. Jusqu'au verset 6. Après tokende kotala. Après nous irons voir. Tokende na verset 9. Nous irons au verset 9. Nous allons faire une lecture pour compréhension et parole. Pour saisir la compréhension de toujours dans Apocalypse 12. Toujours dans Apocalypse 12. Toujours dans la combo de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Kalokola Kosuka Bisso par sa grâce. Le pasteur Seba va nous aider. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Un grand signe parut dans le ciel. Et une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe paraît encore dans le ciel. Et voici, c'est un grand dragon rouge ayant sept têtes et 10 corps. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Saké entraînait le tiers des étoiles du ciel. Mokila naye ezalaki komema eteni na misato ya minzoto na likolo. Et les jetait sur la terre. Pe bwakaki yango na mabele. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et l'enfantant un fils qui doit peindre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Nous continuons toujours lecture. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Verset 9. Et il fut précipité. Les grands dragons. Le serpent ancien. Appelé le diable. Et Satan. Celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Benguya,
et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où il est nourri un temps, des temps et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus, et ils s'éteignent sur les sables de la mer. Que Dieu bénisse les lectures, Tofani, par la grâce de Dieu. Nangoloé en Zambé, par la grâce de Dieu, nous marchons de manière à ce que le Seigneur puisse nous assister. Petit à petit na écriture na Apocalypse 12. Nous irons petit à petit avec les écritures. Ajoutez vos livres. Et gloire à faire. Donc il y a un grand signe qui paraît dans le ciel. Et Zalina et le moment qu'on a mon ennemi et l'image dans ma colo. Et c'est grand. Et ça grand pourquoi? Pourquoi ce signe-là est grand? Parce que ces signes, Dieu a profond dans l'homme. Parce que ces signes parlaient de Dieu qui vient habiter dans l'homme. C'est ça les grands mystères, même Paul a été à l'obagi. Et c'est ça les grands mystères qu'avait prêché même l'apôtre Paul. Christ en vous, Christo Tatinabino, l'espérance de la gloire. Et l'Ikia Yankembo Monene. Ah, ou attends, toujours là. Ici, lorsque nous regardons, tout le monde a présenté une femme dans le ciel.
Nous voyons qu'on nous a présenté une femme dans le ciel. Azalaki na une couronne. Et cette femme avait une couronne. Il y a 12 étoiles. Une couronne de 12 étoiles. Tantôt la écriture de Dieu dans Job 31. Lorsque nous regardons l'écriture de Dieu dans Job 31, verset 36. Le verset 36. Natanga mona kombo na Jésus Christ. Amen. Je porterai son écrit sur mon épaule. Nakomemaka likomi na ye na mapeka na ngai. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Pe nakotiaka yango na mbunzu na ngai lokola ne batiaka motole. Donc la parole, l'enseignement. Donc la parole, l'enseignement. Ezaka aussi comme une couronne. Est aussi représenté comme une couronne. Voilà, Job 31, verset 36. Comme nous venons de le lire dans Job 31, le verset 36. Et oui, pour compléter aussi. Et nous pouvons aussi compléter. Dans Proverbe, chapitre 1er. Dans Proverbe, chapitre 1er. Proverbe, chapitre 1er. Proverbe, chapitre 1er. Totali, dans verset 8. Nous regardons verset 9. Le verset 8 et 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Yoka mwananga mobali oezali lite ya tata. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Peko bwaka te li la kisi ya mama na yo. Car c'est une couronne de grâce. Ezali motole ya ngolu pour ta tête. Na motu na yo. Et une barrière pour ton cou. Pe mayaka pour na kingo na yo. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, l'enseignement. L'enseignement bien-aimé. De la maman. Ya maman. Et ça a une couronne. Représente la couronne sur la tête. La maman. Tantôt, mais la maman, toujours, on a la faiblesse de Dieu. Lorsque nous parlons de la mère, nous voyons la faiblesse de Dieu. Donc, Christ est crucifié. Christo, oh, y a pas camine colosse. L'enseignement, il y a l'œuvre de la croix. L'enseignement de l'œuvre de la croix. Esaïe une couronne. Esaïe mon tolé. Après ça, qui enseignement et pas ya 12 disciples. Le Seigneur avait remis l'enseignement aux 12 disciples. C'est ça signe la couronne dans motu ya cette femme. Et c'est ça le signe de la couronne sur la tête de cette femme. Tous encore. Nous montrons encore bien aimé. Macamonion sokokiko classé au Ezan Apocalypse. Tout ce que tu peux voir dans les livres d'Apocalypse. Il faut ezala toujours na elilingi na yango. Ces choses-là doivent d'abord être dans l'ombre, où doivent avoir leur ombre. Potomoni cette femme, parce que nous avions vu cette femme, Alati et Lamba, soleil. Elle avait pour vêtement le soleil. Il faut tout le soleil dans l'écriture. Il faut que nous cherchions le soleil dans les saintes écritures. Somptosu, psaume 84, un verset 12e. Si nous prenons psaume 84, le verset 12, l'écriture les oeufs, c'est mis au moyen. L'écriture nous dit ceci. Psaume 84. Psaume 84. Le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car l'éternel Dieu est un soleil. Yahweh Zambé Azali Moï. Et un bouclier. Pe Ngouba Yebomba Melo. L'éternel donne la grâce et la gloire. Yahweh Apesa Kangolou Pe Kembo. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Yé aboye la katabo la mon côté na baye batambo la kanabousse. Soko lingo zwa. Et non quoi malamo et pas zambé. Si tu veux recevoir un bien de la part de l'Éternel. Tambo la na kobanga yé, parce que c'est ça l'écriture de Dieu. Marche dans l'intégrité et c'est ça l'écriture de Dieu. Dieu a donc se présenté comme le soleil. Zambé a sali comme Itali saloko la moinse. Tozoya comme on a aussi dans Matthieu 17. Et nous voyons aussi dans Matthieu 17. Tant que le Seigneur a dit qu'il a, ou qu'il a dit ça.
Lorsque le Seigneur voulait montrer à d'autres disciples royaume de Dieu, le royaume de Dieu, il dit d'abord dans Matthieu 16, verset 28, le disons au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, verset 28, tiens. Matthieu chapitre 16, le verset 28. L'écriture est ici, Bisso. L'écriture nous dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Nazo misabino na bosolo, ba misusu bazali kati na bino awa ba kukufa kate. Qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Soki ba monite moi na moto koya na bokoti na ye. Wana lo bien wana Matthieu 16 verset 28. Cette parole le Seigneur l'a dite dans Matthieu 16 le verset 28. Alinga tali sa koma règne na ye kozala. Le Seigneur voulait montrer comment sera son règne. Maintenant to longwe na Matthieu 16 toke na Matthieu 17. Maintenant nous quittons Matthieu 16 vers Matthieu 17. À partir du verset 1. À partir du verset 1. 6 jours après. Mokolo motoba ileka. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Yesu azwaki na ye Petelo yako na Yohane. Son frère. Ndekone amobali. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Pia mema kibango na pembeni na ngomba molayi. Il fut transfiguré devant eux. Ye apongwa na ki liboso na bango. Son visage resplendit. Comme le soleil. Et l'ongina ye enginga ki loko la mwense. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Pe bilamba na ye koma ki pembe loko la pole. Donc soleil otomona ki na psaume 84 verset 12. Dans le soleil que nous venons de voir dans psaume 84 le verset 12. L'Éternel. Yahweh. Yehoya na Matthieu 17. Et c'est lui ici dans Matthieu 17. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Maintenant Jésus-Christ qui est le véritable soleil. Maintenant Jésus-Christ a sali moya solo. Dans Romains chapitre 13 verset 14. Dans Romains chapitre 13 le verset 14. L'Écriture est venue misabiso. L'Écriture nous dit ceci. Romains 13 14. Romains 13 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Kasibola ta kolo Jésus-Christ lokola ilamba. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bebo milenge na nzoto na bino te po na kosepelisa ba posa na bino amabe. Jésus qui est le soleil. Yesu bo azali mwese ya solo. Aza tout un vêtement. Azali pe elamba mobimba. Or elamba etalisaka misala. Or le vêtement représente les œuvres. Éphésiens 2 verset 10 et le Bible. Éphésiens 2 le verset 10 dit ceci. Nous entendons également aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous les lisons au nom de Jésus. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. Oyo ikelama na kati ya Yesu Christo. Donc tokelami na kati ya Christ. Donc nous sommes créés en Jésus-Christ. Bon année. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. Pour na misala malamu. Que Dieu a préparé d'avance. Oyo nzambe abongisa uta kala. Afin que nous les pratiquions. Po biso tosala misala wana na ndo. Donc kibosa tunzamba bongisa kiango avant fondation du monde. Donc la sainteté Dieu nous l'avait préparé avant la fondation du monde. Maintenant si amonio so eza atiango en Jésus-Christ. Maintenant il a pris toute cette nature et l'a mise en Jésus. Maintenant bandiko que la biso en Christ Jésus. Maintenant il a commencé par nous créer en Christ. Afin que ton pratiqué les actions saintes. Oui, tu es mis au sala, mis sala, on est au centre. Oyo Zamba prépara qui avant ça la moquille. Que le Seigneur avait préparé avant la fondation du monde. Ce qui le lot au Bangui Zambé. Si aujourd'hui tu as la crainte de Dieu, les apôtres Zambé a eu et l'eau comme pas qui avant que la moquille. C'est parce que le Seigneur a pris ce qu'il avait préparé avant la fondation du monde. Apaisio et en mot en Jésus Christ. Et te l'a donné en Jésus Christ. Alors misala wana. Alors ces œuvres là. Yamalam. Ces bonnes œuvres. Alors bien au pen Ephésiens 1. Le Seigneur l'a parlé autrement dans Ephésiens 1. Parce que nous sommes dans le verset 10. Parce que nous venons de lire le verset 10. Maintenant donc en Ephésiens 1 à partir du verset 3. Maintenant nous lisons Ephésiens 1 le verset 3. Tiens le verset 4. Jusqu'au verset 4.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc Zamba Ponayo avant a créé que la lumière soit. Dieu t'avait déjà élu avant qu'il ne dise pour les Allah. Mais en Jésus-Christ. Kasi na kati Jésus Christ. Alors Bible. Il ajoute ceci. A créé qui ont déjà en Jésus-Christ. Il t'avait déjà créé en Jésus-Christ. Pour que nous soyons saints. Pour que tous à la passante. Donc pour manifester ta sainteté aujourd'hui, cela était déjà préparé avant la création de Dieu de Genèse 1. En Christ Jésus. Maintenant il nous l'a donné comme un don dans les temps. Pour que nous soyons saints. Pour être tous à la bassante. Et irrépréhensibles devant lui. C'est ça et là-bas où est Apocalypse 12. Et c'est ça le vêtement de la femme d'Apocalypse 12. Le soleil. Moïse. Enveloppé du soleil. Lorsqu'on dit qu'il a porté le soleil comme un vêtement. Elle a dit soleil. Donc c'est-à-dire qu'elle a porté vraiment le soleil. Donc si tu regardes cette femme, tu ne verras que l'éclairage ou l'éclat du soleil. Donc la femme est protégée. Voici on a battu la mie par les vêtements appelés soleil qui est Jésus-Christ. A battu la mine la moisali moi Jésus Christ. Mais si sa tête a la couronne à 12 étoiles. Mais sur sa tête elle a une couronne de 12 étoiles. Et la couronne totale yangona. Job 31, verset 36. Et la couronne, nous l'avons vu dans Job 31, verset 36. C'est l'écriture dédiée à la parole. Et Zani li komi en Zambé, ni le roi. Dernier mot qu'on a Proverbe 11. Comme même dans Proverbe 11. Verset 8 à 9. Proverbe 1, le verset 8 à 9. C'est l'enseignement. Et Zani li la kisi. Et Zani 12 étoiles. Donc, mito le so minami balé. Pour en retardir ça, signe y a fondement. Oh, et Zani comme. 12 apôtres. Pour parler du fondement qui, ce qui est comme les 12 apôtres. Le Seigneur a zoaka 12 apôtres d'abord, ils allaient dire 13 utiles, les 12 disciples. Le Seigneur avait pris d'abord 12 disciples parce que c'était très important. Parce qu'ils allaient dire ça, lui il est les jours prévus selon Psaume 118. Parce qu'il montrait que lui-même est les jours prophétisés selon Psaume 118. Donc la journée. Mokolo, Moï. Il y a une promesse et une journée que Dieu devait créer. Il y a une promesse de la journée que le Seigneur devait manifester. C'est dans Psaume 118. C'est dans Psaume 118. On est même dans le verset 19, on est dans le verset 24. Vous commencez même à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. À Kotanga Yango. J'aimerais le lire. C'est très important. Et Zali Moutouya. Parce qu'au fur et à mesure, tout autant la compréhension est là. Parce qu'au fur et à mesure que nous lisons, la compréhension aussi s'approche. Psaume 118. Psaume 118. On dit à partir du verset 19. À partir du verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Fongole la gaï bikouke et belé à Boueke. Awawa, David. Ici, David. Aza elembolokola Adam. Il est le signe d'Adam le premier. Parce que Adam tangwa sumukaki. Parce que lorsque Adam avait péché, le Seigneur l'avait rejeté. En réalité, la justice était kali na kati qui était l'arbre de vie. La justice était restée à l'intérieur du jardin et c'était l'arbre. Le Seigneur a fermé les chemins à l'arbre de vie. Nzambe akanga ki nzela ya nzete na bomo. Et il y avait le chérubin na flamboyant. Ils avaient une épée qui avait du feu. Donc mon pang est opé là. L'épée flamboyante. Donc par l'ami épée mon pang est opé là. Lorsqu'on parle de l'épée flamboyante, na Ésaïe 66 verset
66, le verset 15, la colère, feu. La colère de Dieu représente le feu. Donc, cela montre que le Seigneur est en colère. C'est pourquoi on montre le signe de la porte fermée. Maintenant, qui était capable d'ouvrir cette porte? David chante. David a zalaki un roi. David était un roi. Mais azalaki prophète. Parce qu'azalaki paix pour sa colie. Ma chantre nionsona écriture sainte. Tous les chantres dans les saintes écritures. Ils étaient des prophètes. Ma salaka ba sa colie. Ba asaf. Les asaf. Bango nionsona ba famille wana ba jeditoum. Toute la famille de jeditoum. C'était des prophètes. Ma salaka ba sa colie. Soko tangi na 1 Chronique 25, verset 1er. Si vous lisez dans 1 Chronique 5, le verset 1er. 25, le verset 1er. L'écriture nous dit ceci. Alobi, bazosa la mention na bango. On fait mention de ces gens. La façon dont bango bazai ko sala musala. Quand ils travaillaient dans les services. Na verset 1er, na 2e. 1 Chronique 25. Au verset 1er et 2 de 1 Chronique 25. D'autant en accompagnant de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. David est le chef de l'armée mis à part pour les services, c'est le fils d'Asaf. David dit Pena Bakondi à Mapinga, Batiaki na Moussala, Baoyo, Bazaraki, Banaya Asaf, Eman, Banaya Eman, et Jéditum. Pebanaya Jéditum. Qui prophétisait. Oyo basala ki ko sakola. En s'accompagnant de la harpe. Na kobeta kalindanda. Dilit. Lutte. Et les cymbales. Pe na cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions harpe. Voilà. Pe tala mutangwa ba basala ki na musala ko sa. Chantre nyoso na Bible aza prophète. Tous les chantres dans la Bible est prophète. Donc tant basa aussi baka un instrument. Donc lorsqu'il touchait ses malheurs instruments. A bandi ko. Il commence à chanter. Prophétie. Et directement il prophétise en même temps. C'est ce que 1 Chronique 25, verset 1er. Et c'est ce que dit 1 Chronique 25, le verset 1. C'est pourquoi lorsque Pierre a prêché la parole, quand il parlait du chant de David, alors, David a dit qu'il avait dit que David disait qu'il ne mourra point. Que le Seigneur a était dans ses jours de mort. Que le Seigneur ne l'abandonnera pas dans les jours de mort. Pour Amon. Mais bien aimé, il balinga mi. Tombeau ya David est dans la ville. Le sépulcre du père David est dans la ville. Mais comment ça va le faire au fatin? Mais comment il disait encore? Les Pierre a lobi. C'est pourquoi Pierre a dit. Comme il était prophète. Lokola salaka musakoli. C'est comme ça Benga David. C'est comme ça qu'il a appelé David. Prophète. Musakoli. Tango Pierre a exposé la parole dans Acte 2. Lorsque Pierre expose la parole dans Acte 2. La mention, même dans Acte 3. Il fait mention de cela même dans Acte 3. Donc, tu as besoin de mouvement à David. Lorsque tu vois le mouvement de David, il quelque part au monde. Il peut être là quelque part. Tu vois, en train de chanter. Mais il est en train de parler d'un événement. C'est comme dans Psaume 118. C'est comme ici dans Psaume 118. Abani Koyemba. Il commence à chanter en disant. Fombolela, bon fombolela bison. Et bikouke ya boyengebe. Ouvrez-nous les portes de la justice. Eza na deuxième personne à pluriel. C'est à la deuxième personne du pluriel. Cela veut dire Azako s'adresser na batu ziki. Cela veut dire que David s'adressait à beaucoup de gens. Aïe, monsieur, Fongola. Il dit à celle-ci, ouvre-moi. Fongola. Ouvre-moi la Fongola. Ouvre-moi. Fongola. Fongola. Ouvre-moi. Et ça, ouvre-moi. Oh, Fongola Langaï. Cela veut dire que David s'adressait à tout le monde tout en y attendant. Cela veut dire que David s'adressait à tout cela que le Seigneur avait appelé. Tout au long du temps. Mais Awa David est en train de s'attendre. Mais ici, David représente Adam. Comment on a quelque part David dans son yemba? Vous allez voir quelque part. Mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Ça m'a dit, pour d'aligner au dans psaume 22. Dans psaume 22. Jésus est au bas de la croix. Et Jésus est venu répéter cette parole à la croix. Alors, il n'a pas besoin de tirer de la main au sort. Mais c'est pour pas jouer la main en gagne. Bakaboli.
Mais on peut être compté, on a percé mes mains, mes pieds. Mais si tu regardes David dans ces temps-là, ses mains n'étaient pas percées. Mais il a chanté qu'on a percé ses mains et ses pieds. Parlez de Christ. À cela qui colombait la Christ. Maintenant, c'est les chants qui chantaient. Ils étaient des prophètes. Basalaka, basakoli. Et maintenant, aussi. Et maintenant, ici, bien-aimé, lorsqu'il chante, alors dit, ouvrez-moi les portes de la justice. Cela veut dire à s'adresser à Moïse. Cela veut dire qu'il s'adresse à Moïse. À Josué. À Josué. À Noé. À Noé. Bagonios, c'est ouvrez-moi. Tous ces gens-là, c'est le pluriel que David a utilisé. J'entrerai. Je louerai l'Éternel. Maintenant, il vient au verset 20. Maintenant, il vient au verset 20. Au lieu de parler porte, au lieu de parler de porte, alors dit maintenant, voici la porte. Maintenant, il présente une seule porte. Voici la porte. Tala et Kouké. De l'Éternel. Yahweh. C'est par elle qu'entre les justes. Donc, si tu vois cette porte, Bayenge béni, c'est par elle qu'entre les justes. Un jour, Siméon, Azala qui averti divinement, était divinement averti par les Seigneurs, a monté dans le temple, de monter au temple, parce que la porte était arrivée, parce que la porte était venue sur la terre, parce qu'il avait un homme qui a dit, dans Jean 10, je suis la porte. Gardez Kouké. C'est lui-là. Parce que son monde est à la porte. Parce que si tu vois cette porte, il faut louer l'Éternel. C'était ça la prophétie. Et il y a un monde qui s'appelle. Alors, nani a monné qui met la porte. Maintenant, qui avait vu cette porte? Siméon. C'était Siméon. A Simé porte. Il a touché la porte. Amonié n'a ma beaucoup à Marie. Il a vu cette porte entre les mains de Marie. A Bandico loué. Il a commencé à louer. A dit maintenant, Seigneur. Siko Yonko. Permettre mon bonheur qui te coupe. Permets que ton serviteur aille se reposer. Parce que j'ai vu la porte. Les salis, l'obico. Parce que les salis, parce que les salis, c'était la porte par laquelle les justes devaient entrer. Mais écoute comment il dit. Dans ma monie porte, lorsqu'il a vu la porte, j'étais loup. N'a comme ici. Parce que tu m'as exaucé. C'est la parole de Siméon. Parce que tu m'as sauvé. Maintenant, il appelle encore cette porte. Au verset 22. La pierre qu'on rejetait, c'est qui baptisait. Comment font pour la petite à petit porte? Il commence à, petit à petit à révéler cette porte. Et ça, c'est la pierre. Qu'on rejetait ceux qui baptisaient. Elle est devenue la principale de l'angle. Non, c'était une grâce. Ce qu'ils ont perçu en moi. Si le Seigneur te l'a donné. Ce qu'on a les références dans Matthieu 21, verset 42. Si tu vois dans sa référence dans Matthieu 21, verset 42. Jésus a son révélé sur cette pierre-là. Jésus parlait sur cette pierre-là. Et c'est ça la porte. Tout cela que le Seigneur va justifier entrera dans cette porte là, Jésus. Mais là, lui, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et l'okouane salami et outi de Nanzambe. Yemogalobe, je suis sorti du Père. Naouti Nanzambe. C'est un prodige à nos yeux. Mais la porte, voilà, y a un moment de pierre. Maintenant, cette même porte, c'est ça la pierre. Maintenant, il y a un moment de pesani. Maintenant, écoute, elle est encore quoi? Verset 24. Le verset 24. C'est ici la journée. Awane mokolo ya moi. Que l'Éternel a fait. Oyo Yahweh a sali. Or, la journée, ça n'a tous. Or, un jour où la journée a tous. Or, la journée, pourquoi le Seigneur a banni d'abord vos 12 disciples? Je te montre pourquoi le Seigneur avait commencé par choisir 12 disciples. Parce que ça a eu comme la journée. Prophétisé dans psaume 119. Parce que le Seigneur écrit comme la journée prophétisée dans psaume 118. C'est lui cette journée. Il y a chassé ténèbres. C'est lui qui chasse les ténèbres.
Job 10, verset 20 à 22. Job 10, verset 20 à 22. Ils ont présenté ténèbres, obscurité, dans le sens, il y a la mort. Présente les ténèbres ou l'obscurité comme la mort. Et Moutachasaka, ténèbres, la mort, c'est la lumière. Et ce qui chasse les ténèbres de la mort, qui est la mort, c'est la lumière. Cette lumière, c'est la porte, c'est le rocher. Et cette lumière ou la journée, c'est la porte ou la pierre. Et Dieu bénisse. Amen. Si tu le lis dans Esaïe 8, si tu le lis dans Esaïe 8, au bani na verset 14 na 15, vous commencez à partir du verset 14 et 15. Où la pierre, c'est l'éternel. Là-bas, la pierre, c'est l'éternel lui-même. C'était la prophétie que l'éternel a voyé comme une pierre. C'était la prophétie concernant l'éternel qui viendra comme une pierre, un rocher. Pierre d'achoppement. Libamba ya libamba. A cause la comme un sanctuaire. Puis à cause de la ndako ya mosala tempelo. Ndako na mosala de Jésus. Et ce sanctuaire-là, c'est ça Jésus qui. Mais Isaïe a dit que c'est l'éternel. Et Isaïe avait dit que c'est l'éternel lui-même. Donc ceux qui nous disent que Jésus est Dieu créateur du ciel et de la terre, a beaucoup de choses. Si quelqu'un nie que Jésus est le Dieu créateur, il mourra dans ses péchés. A beaucoup de choses. Il mourra vraiment dans ses péchés. Toute doctrine Jésus-Christ toute doctrine qui nie que Jésus-Christ est Dieu, même si chante que Seigneur, pardonne-moi dans les péchés que j'avais commis. Il pleure. Là où je suis mort, c'est toujours les ténèbres. Dans mes péchés, mes fardeaux, il n'obtiendra pas le pardon de Dieu. Parce qu'il faut aller bas. Qui est Jésus? Parce qu'il doit savoir qui est Jésus-Christ. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que, c'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est lui le grand soleil. C'est Jésus-Christ, c'est le grand soleil. Yewanande et l'amba ya moisi oyazana Apocalypse 12. Et c'est lui le vêtement de la femme d'Apocalypse 12. Parce que Nathalie ici. Dans Romains 13, verset 14. Parce que j'ai montré par l'écriture de Romains 13, le verset 14. Et vous attendez Jésus. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est le misala ya bosantu. Donc c'est Jésus-Christ, lui qui est comme le bon œuvre. Parce que l'amba est misala. Parce que le vêtement représente les œuvres. Maintenant, moi, si on a. Maintenant, cette femme. A tiaki matambe na ye na line. Avait posé ses pieds sur la lune. Tu auras tous ces langages-là dans les écritures. Ce n'est pas que tu commences à raisonner. Moi je pense. Moi je pense. Mais tu as bien dit que ce sont tes pensées. Tes pensées ne nous donneront pas la vie. Il faut que l'écriture dit. Il faut que nous disions que l'écriture dit. C'est très important. Et ça m'entouille. Dans Josué chapitre 1, verset 3. Dans Josué chapitre 1, verset 3. L'écriture est ici, monsieur. L'écriture nous dit ceci. Tout lien qui foulera la plante de votre pied. Et si Kanyon Soko tient ma caca et ma colonne, je vous les donne. N'a pas si à Mobino. Comme je l'ai dit à Moïse. Le légué manque en Émissa qui n'a pas. Il faut, yébabouye, il faut que tu saches de ton côté. Et si canyon soma tambe kotia, là où ta plante de ton pied sera posée, et ça, héritage, c'est ton héritage. Alors moi si ataki ma colonne na line. Alors la femme avait posé ses pieds sur la lune. Line wana ezalaki lo lenge oyo yo zambe akomparaka. La terre promise. La lune, c'est la manière dont le Seigneur compare la terre de la promesse. Parce que ma belle à promesse est comparable aussi comme une femme. Parce que la terre de la promesse est aussi comparable à une femme. Comme une fille. On peut aussi l'appeler une fille. Dans l'écriture de Dieu. Dans l'écriture. Même si aujourd'hui, Esaïe 3, au bandit à partir d'un verset 16e, Bazolo de la cible, les filles de Sion. Même si vous prenez Isaïe 3 à partir du verset 16, parce que la banne est basse, bilengue à Sion. Ma fille, on a négocié sa ville à Israël. Bilengue basse, on a négocié sa bingumba à Israël. Soukozui, Isaïe 62, verset 4. Si tu prends Isaïe 62, le verset 4. Isaïe 62, verset 4.
Ésaïe 62, le verset 4. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On te nommera plus délaissé. Bakoupé, c'est le sous comboté, moi si batika. On nommera plus ta terre désolation. Bakoubenga le sous ma belle n'a aucun sonni. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Kasi bakoubenga yo et se moyanza bekati. Elle on appellera ta terre épouse. Pe bakoubenga ka. Ma belle na yo, moi si alibala. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Oyawatie esemonaye katina yo. Et ta terre aura un époux. Pe ma belle na yo et kozwa mobali. Soko kei na ndoto à Joseph. Si tu te rends dans le songe de Joseph. Parce que Joseph a kolo tabando to ebele me bakangisi en wa ka deux songes. Parce que Joseph peut avoir plusieurs songes. Il y a des colonnes à ma belle. On les réunit seulement en deux songes, l'un céleste et l'autre terrestre. Deux songes, union sur une terre. Toute la Bible. Et tous ces deux songes-là représentent toute la Bible. Dans le songe qui était terrestre, papa le père n'avait dit. Il était resté silencieux. Frère, c'était ses frères qui disaient qui prétend. Cela représentait tout le temps des choses terrestres. Ce n'était pas encore le temps du père. Mais tant qu'il y a un deuxième songe, mais lorsqu'il est venu dans le deuxième songe des choses célestes, la lune, le soleil et les 11 étoiles, moi c'est sans appel, mais nous sommes dans mon corps. Papa, l'obéti venir quoi? Les pères ont ouvert la bouche, que veux-tu dire? Moi? Nga. Donc Jacob a zaoté son soleil. Donc Jacob représentait le soleil. Aza, soleil si. Azali, moi c'est Elemo. Ta mère? Maman Nayo. Là, la mer représente comme lune. Là, la mer représentait la lune. Zola namana. Amen. Tes frères. Bande konomibal. Comme étoile. Loko la mitzoto. Zola namana. Suivant attentivement. Là, par rapport à Genèse 37. Là, par rapport à Genèse 37. Donc, la lune va comparer à Kaye aussi à une femme. On compare aussi la lune à une femme. Terre aussi va comparer à une femme. Et la terre de même, on la compare à une femme. Vous suivez attentivement. Ta terre sera appelée épouse. Ma belle na yo bakubenga ka yango mwasi ya libala. Nazuka ka et témoignage wana. Je prends seulement ces témoignages. Maintenant ma belle nzamba pesa ka Israël. Maintenant la terre le Seigneur l'avait donnée. Oui, pesa Abraham. Qu'il avait donné à Abraham. Ma belle wana. Cette terre là. Nzamba zo présentant comme la lune en Apocalypse 12. Le Seigneur la présente comme la lune d'Apocalypse 12. Donc ils ont dit héritage. Donc c'est comme l'héritage du boula. Parce que Zamba et Misa Israël. Parce que le Seigneur avait dit à Israël. Dans Matthieu 21. Dans Matthieu 21. Le royaume vous sera enlevé. Royaume on a sauté dans Hébreux 4. Donc ce royaume là en lisant dans Hébreux 4. Ils ont dit ça m'a béni. Représente cette terre promise là. Vous en avez malam. Vous suivez attentivement. Somos Hébreux 4. Si vous prenez Hébreux chapitre 4. Tout ceci j'explique petit à petit Apocalypse 12 et cela va nous aider. Verset 1 à 3. Le verset 1 à 4. Hébreux chapitre 4. Awa toujours zoango pour na kota lisake. Ici nous prenons ceci pour montrer. Mabele oyonzamba pesa ki Abraham. La terre que le Seigneur avait donnée à Abraham. Abengango pene lembo mususu obe. Le Seigneur l'avait appelé en d'autres langages le repos. Or obeni. Or le repos. Ezaka mokolo boy. C'est tout un jour. C'est comme un sabbat. La sabbat à mon or le Seigneur a l'obligé. Or le Seigneur avait dit il y a une écriture. Il y a une écriture dans la Bible. Oh, l'écriture est allée si bien que l'écriture nous montre. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Jour comme une femme. On prend un jour comme une femme. Donc, jour, donc le jour, si c'est comme un jour qui enfante. Vous en avez là? Vous suivez attentivement. Ah. On verra. Parce que ma belle, oui. Ma belle, oh, aux hommes, ma belle, c'est Abraham. Parce que la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham, repos. Le Seigneur l'a appelé le repos. Oh, tant que nous avons créé
le ciel et la terre. Alors lorsqu'il crée le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, le septième jour il se reposa. Mokolo ya sambonzambe a pema. Et a sanctifia qui a mo. Et le Seigneur le sanctifia. Nous en avons malam. Amen. En tant qu'un Proverbe chapitre 27. Oui, oui. Le verset premier. Ah. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Donc le jour parle aussi d'une femme. Nous faisons bien comprendre dans les écritures. C'est comme ça la parole. Langage à Bible, c'est le langage à Bible. Le langage de la Bible, c'est le langage de la Bible. Maintenant, la terre qu'il avait donnée à Abraham. Le Seigneur l'a appelé aussi repos. Le repos, c'est le jour. Sabbat. Sabbat. Septième jour. Mais c'est devenu toute une terre. Donc toute une terre est devenue le jour. Or jour enfant, ils ont une femme. Toujours Hébreu 4. Nous prenons Hébreu chapitre 4. À partir du verset 1er. À partir du verset 3. Jusqu'au verset 3. Craignons donc, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur vit annoncée. Ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi, je sais qu'il entendit. Pour nous qui avons cri, nous entrons dans les réponses. Donc si tu crois à la parole aujourd'hui, tu entres dans le septième jour. Septième jour, il s'appelle repos. Mais ce septième jour était aussi un pays, une terre comme ça qu'on a appelé repos. Et m'appelé Oana des autres, Jésus-Christ le long. C'est cette terre-là qui représente Jésus-Christ aujourd'hui. M'appelé Oana, c'est tout un jour. Cette terre-là, c'est tout un jour. Jour, c'est tout une femme. Peu mon colézali, moi si mon bimba. Compare la femme à la lune aussi. Et on compare aussi la femme à la lune, na sanza. C'est pourquoi lorsque nous avons cru, nous sommes entrés dans cette terre. Y'a moi et les mots d'Apocalypse 12. Et c'est ça les signes d'Apocalypse 12. Moi si l'andimi, la femme qui a cru. Aniatine la ligne. Elle a piétiné, elle a ses pieds sur on la lune. La ligne. Avoir ses pieds sur la lune. Entrer dans le royaume, dans le repos. Mais il faut y aller. Mais tu dois savoir. Répondez à Christ Jésus. Ce repos-là, c'est le Christ Jésus. Il est dans Matthieu 11, verset 28. C'est lui qui avait dit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes. Chargé et fatigué. Je vous donnerai du repos. Nous faisons bien. Or, le repos, c'était la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham. Moi, si on est dans Apocalypse 12, la femme qui est dans Apocalypse 12, héritage n'a pas été a pour héritage ce qu'elle a piétiné. Vous suivez le classement de la Bible. Pour nous qui avons cru, nous entrons. Pour nous qui avons cru, maintenant la loi est le bagui. Maintenant la loi avait dit. Deutéronome 7, verset 14. Dans Deutéronome 7, verset 14. L'écriture est le Bible. L'écriture dit ceci. Et puis tout autant dans Exode 23, verset 26. Et puis nous lirons Exode 23, le verset 26. Aujourd'hui. Deutéronome 7 au verset 14. Nous prenons Deutéronome 7 le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tout temps qui n'a combiné Jésus-Christ.
Tu seras béni plus que tous les peuples. Yoko pambo la maka koleka mabota nyonso. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Et pana yo bakokuta kate mwasi to mobali oyo abota kate. Ni bête stérile. Ata ibwelo abota kate. Parmi tes troupeaux. Na katikati ya bibwele na yo. Wana ezali soki bakoti na mabele. Là c'est que s'ils entrent dans la terre. Mwasi komba bozala te. Il n'y aura pas de femme stérile. Exode 23, 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Et kozala kate tu kokuta makate na mboka na yo mwasi akosopase. Ni femme stérile. Ata mwasi ekomba. Je remplirai le nombre de tes jours. Ngai na kotondi saka mikolo. Donc, ceux qui sont entrés seulement dans ces pays, là, sur cette terre, fécondité. Donc, directement, il y a la fécondité. Par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je montre toujours par la grâce du Seigneur. Pourquoi le Seigneur était venu visiter Abraham à la chaleur du jour ou à midi? Na Genèse 18 ayaki na midi. Le Seigneur dans Genèse 18 était venu à midi. Et le même sous sixième heure. Donc à la sixième heure. Okopé sa réponse. Tu vas répondre. Ezapo akatisa Sarah de la stérilité à la fécondité. C'était pour faire traverser Sarah qui était stérile de la stérilité à la fécondité. Donc cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, lorsque vous remarquez quand le peuple provenait de l'Égypte, lorsqu'il marchait avec Moïse, c'est alors que le Seigneur est venu leur remettre les lois que nous avons lues. Exode 23, verset 26. Le Seigneur a dit, Moïse leur dit, si seulement vous possédez ces pays-là, stérilité, si. Il n'y aura plus de stérilité. Donc, quand les gens marchaient là dans les déserts, il peut s'y faire que tu es stérile. Vraiment, espérons seulement entrer. Parce que si nous traversons seulement les Jourdains, nous entrons, qui est combat ici. Et directement la stérilité prend fin. Si tu poses la question, c'est Yahweh qui l'avait dit à Moïse. Si nous centrons seulement dans ces pays, qui est combé aussi, directement la stérilité prend fin. Oh, Sarah Zahina stérile. Oh, Sarah Azala qui est combat. Dans les Écritures saintes, na kata ma komie saint. Sokozi Josué chapitre 1er. Si tu prends Josué chapitre 1er, Ngambo Bazala qui avant traversa Jourdain. Du côté avant la traversée du Jourdain, côté à soleil levant. On l'appelle comme le pays à Kolamukayamoy. C'est comme le pays du soleil levant. Maintenant, si tu traverses le Jourdain, côté à soleil couchant. On l'appelle comme le pays du soleil couchant. Donc cela veut dire Jourdain à mon moment. C'est-à-dire le Jourdain en lui-même. Les amis les dix jours. C'est comme Katikati à Moïngele. Amen. Jourdain, il y a un moment où il y a un millier de jours parce que avant il y a un moment où il y a levé. Le Jourdain représente le millier de jours parce que avant lui c'est le lever du soleil. Après il y a couché. Et après que c'est le soleil. Cela veut dire il y a des milliers de jours, Jourdain. Cela veut dire c'est le Jourdain qui est le milieu du jour. Israël a quatre Jourdain journée. Quand est-ce que Israël avait traversé le Jourdain? Josué 4, verset 19. Josué 4, le verset 19 nous répond. Nous les lisons. Josué 4, 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les peuples sortis du Jourdain, le dixième jour du premier mois. Mokolo ya somi ya santa liboso. Et il campa Gilgal. À l'extrémité orientale de Jéricho. Nasuka ya kobimele ya moïk na ngambo ya Jéricho. Donc Israël a contre le Jourdain. Donc Israël était entré dans le Jourdain. Zalaki dixième jour. C'était le dixième jour. Ya premier mois. Du premier mois.
Il faut vouloir désirer savoir qu'est-ce qui se passe en cette date. Otali Exode 12. Tu remarques dans Exode 12. Le Seigneur a dit copé sa bango la nouvelle année. Le Seigneur était venu leur donner une nouvelle année. Mais on dit que le dixième jour, il y a première. Vous prendrez un agneau. Donc il faut un agneau. Donc il faut avoir le dixième jour. Le dixième jour du premier mois. Donc jour wana. Donc ce jour-là. Jour où basimba agneau. Le jour où on prend l'agneau. Israël a zara na kajamai. Israël était dans les eaux du Jourdain. Jourdain wana nde agneau. Et ce jour-là, c'était ça l'agneau. Jourdain wana nde Naaman le Syrien y a dit beaucoup dans cette fois pour ma pire. C'était dans ces journées-là que Naaman s'était plongé sept fois pour être purifié. Journée où on a dit Jean-Baptiste. C'était ces journées-là. Amonaki, bateau, bazaraki, batayaouli. Et Jean-Baptiste avait vu les incrédules fuir dans les journées comme un refuge. Pourquoi vous fuyez la colère de Dieu? Dans les journées, c'était comme les ebomba melo et kimelo. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Ce n'est pas que tu fais le voyage en Israël pour aller puiser dans le Jourdain. Osali formalité en avion, papes yeux à 5 kilos. On pèse 5 kilos. Au foutil et à motiqué. Et tu pèses. Pour y en avoir dans Congo. Et tu l'amènes. Naïe na maya Jourdain. Cherchez à amener les autres. Place Yesu à Kotaka. Là où Jésus était baptisé. Frère. Aujourd'hui, le Jourdain, c'est seulement comme nos eaux ici. Le Seigneur était déjà passé il y a bien longtemps. Le Seigneur, là, il opère une grâce. Il laisse seulement son message. C'est comme il a utilisé qui? Serpent de rein. C'est comme il avait utilisé les serpents de rein. Basali, serpent de rein à Moïse. Moïse a fabriqué le serpent de rein. Après, wana, après cela, aucune ordonnance de Dieu ne disait qu'on puisse cacher ce serpent-là. Mais, bah, courage, bah, mais il y avait des têtus en ces temps-là. On l'a vu dans la ville, on l'appelait Neouchtan. Et le Seigneur avait frappé les gens à cause de ça. Parce que le Seigneur n'avait pas ordonné qu'on puisse cacher ces serpents. Le Seigneur peut faire quelque chose. Il passe. À l'équipe. A utilisé le journée comme un signe. Il a utilisé les journées comme un signe. A utilisé un mot comme chaleur du jour. Et il utilise cela comme les signes du midi. Milliers de jours. Donc, katikati à mon colo. Il y a un moment où nous allons dans Jean 4. C'est pourquoi en lisant Jean chapitre 4, ils allaient toujours dans la sixième heure, ils allaient fatigués. C'était à la sixième heure que Jésus était fatigué. Jour à Tindaki, ma disciple, ma qui est de Golokabilo à Olia. Les jours, il avait envoyé des disciples aller trouver. Et vivre. C'est tout un enseignement. Donc, c'est toujours la chaleur du jour. À la chaleur du jour. Vous allez dans Malam. Vous suivez attentivement. Italie s'appelle Jourdain. Cela représente le Jourdain. Donc, Zambayaka na Tawana na Ndako Abraham. Le Seigneur était venu en ce temps-là dans la maison d'Abraham. Pour faire quitter Sarah de sa stérilité. La faire traverser le Jourdain afin qu'il atteigne le coucher du soleil. Le mouvement que le Seigneur avait fait. Parce que Sarah, comment qui mena, féconde. Et de Sarah, comment qui moi si à Koka qui compte. Et que tu dans les pays que vous entrerez. Donc Sarah a commis la fécondité. Lorsque Sarah est devenue féconde, c'était le signe de la femme qui se retrouve maintenant dans la terre des promesses. Lorsqu'elle était encore stérile, cela représentait le peuple d'Israël qui viendra et qui sera avant Jourdain. Mouvement Nyonsoye na vie à Israël après. Tous les mouvements qui se sont passés dans Israël après se retrouvent dans Abraham et Sarah, sa femme. Et nous, aujourd'hui, se retrouvent toujours dans la vie de Sarah et Abraham. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est-à-dire, dans tout cela, nous comprenons ceci. Ma belle Oyo.
La terre dans laquelle nous nous sommes entrés. Jésus-Christ. Se nomme Jésus-Christ. C'est lui Jésus qui était venu en Israël. Et Israël a boy. Mais Israël l'a rejeté. Est-ce qu'Israël est dans le pays? Est-ce qu'Israël aujourd'hui dans le pays? Non. T'es. Parce que le pays c'est Christ. Parce que le pays c'est le Christ. Et Israël a boy. Et Israël a rejeté. A boy pour quoi? A refusé de croire. C'est-à-dire qu'Israël est dans le pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Israël n'est pas dans la terre des promesses. Je ne dis pas la manière dont il est là-bas au Proche-Orient. Aujourd'hui cette terre-là de Cana, c'est tout un homme Jésus-Christ. Lorsqu'ils l'ont rejeté, nous avons reçu cette terre aujourd'hui. Vous voyez la loi de Dieu. Dans Exode chapitre 20. Lorsque le Seigneur était descendu, qu'est-ce qu'il avait dit à Israël? Exode 20, verset 25. Dans Exode 20, le verset 25. La loi de Dieu avait dit. J'explique pourquoi cette femme-là est enceinte. Cela veut dire Aza Anyatilin. Cela veut dire qu'elle a ses pieds sur la lune. Aza dans les pays. Aza nakatia mokelaka. Mokelaka de Jésus-Christ. La terre promise, c'est Jésus-Christ et la parole. Amen. Exode 20. C'est pourquoi nous prenons Exode 20. Verset 24. Le verset 24. Na 25. Et 25. Loi ya Nzambe. Le commandement du Seigneur. Nzambe ibisala ki Israël ki atonga etumbelo ya mabele. Le Seigneur avait dit à Israël d'élever pour lui un autel de terre. C'est ça loi ya Nzambe. C'était ça le commandement du Seigneur. Jorwana Sinai. Alors bien au verset 24. Il dit au verset 24. Exode 20. Qui m'élèvera un autel de terre? Yoko, tonto, otongele la kangaï et tumbelo yamati. Si lequel tu offriras tes holocaustes? Likolo a pioko tumba bambekano et tumba. Et tes sacrifices d'action de grâce. Pe bambekano yamatonzi. Tes brebis et tes bœufs. Bampati pe bakombe na yo. Partout où je rappellerai mon nom. Bisika tous na kosongele la kakombo na yo. Je viendrai à toi. Na koyela kayo. Je te bénirai. Pe na kupambo la kayo. Loi en Zambe zalaki. Israël fatonga et tumbelo yamabele. Le commandement de Dieu était qu'Israël devait élever pour l'Éternel un autel de terre. Mais à côté ici maintenant condition. Maintenant le Seigneur a fait entrer une condition. Supposition. Donc une supposition. Dans verset 25. Au verset 25. Si tu m'élèves un autel de pierre, soki otongelinga et tumbelo yalibanga, l'autre sera qui autel de pierre terre. L'autre n'était pas de l'autel de terre. L'autel de pierre était entré par rapport à une condition. C'est ça l'écriture. Et c'est ça l'écriture. L'autel que le Seigneur avait demandé. L'autel de pierre. Et tumbelo ya mabele. Amen. Amen. Mais maintenant le verset 25. Si tu ne lèves un autel de pierre, qui ne la bâtira point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, qui la profanera? Qui la profanerait? Donnez-toi le bagage aujourd'hui la parole. Comme nous disons, quand tu prends la parole et tu commences à la donner ta forme, la parole est profanée. Laisse l'écriture telle qu'elle est. Si tu tombes, laisse l'écriture debout. Il ne faut pas profaner l'écriture. Problème, c'est que vous avez dit l'écriture est reprochée au kita. Si l'écriture te reproche dans un comportement rabaisse, ne prends pas ton ciseau pour tailler la pierre, l'écriture. Tu donnes la forme à l'écriture. Et cela devient une abomination dans le pays. Maintenant, il y avait Naaman. On lui avait donné la nouvelle Paris. Que s'il se rendait en Israël, il sera guéri de sa lèpre. Et lorsqu'il était venu,
sept fois dans le Jourdain dans la Kotaki. Et nous savons tout ce qui s'était passé. Le Seigneur l'avait fait plonger sept fois dans les eaux. Dans 2 Rois 5. Dans 2 Rois chapitre 5. Maintenant, avant qu'il ne parle. Alors, la Bible est dans verset 15. Il dit ceci au verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Naaman a son maquille et pas la moussa et pas la moussa la tabé. Nazan a 2 Rois 5, verset 15, tira 17. Avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui et dit, voici je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Si ce n'est qu'en Israël. C'est ça la belle confession. Le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, nous allons reconnaître ce vrai Dieu. Maintenant, comme il a reconnu ce vrai Dieu, et qu'a déclaré que tous les dieux sur la terre sont des menteurs. Maintenant, il dit. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il est vivant. Verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, dans un verset 17, il y a des rois. Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Il charge de débiler. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux. Ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Donc, lorsque l'étranger fut guéri, Exode 20, verset 24. C'est lui qui accomplit le commandement d'Exode 20, verset 24. Amen. Amen. Maintenant, il se rendra vers les nations avec la terre d'Israël. La terre d'Israël a voyagé. La terre d'Israël qui voyage vers les nations. Le Seigneur leur avait donné la loi. Commencez à prendre cette terre, former un hôtel et sacrifier dessus. Ils ont refusé. La terre qu'ils avaient refusée. Un étranger à soi. Il s'est rendu avec à l'étranger. La terre a déplacé. Ma belle et spémouka. Et Zalaki, un hôtel. Et Zalaki est tombé l'eau. Des terres. Il y a ma belle. Que Israël a rejeté. Oh, il s'est allé la voix kaki. Cet hôtel de terre, Marie a botaki. Et cet hôtel de terre était enfanté par Marie. Il m'a dit comme fils de Joseph. Donc, il était sorti comme fils de Joseph. Moutouyabamba. Donc un homme vil. Oh, bah, vous méprisez. Même méprisable. Vous voyez, bande konaya. Nous connaissons ses frères. Oui, moi, na Joseph, il va commencer à faire. C'est le fils de Joseph est devenu notre Dieu. C'est un bel zébou. Azapena, mon contamili, ma ben. Il égare la multitude. Il est à son pain, oui, sa baïque. Bamboy, hôtel, on a refusé cet hôtel de terre. Parce que Dieu a été sous forme de l'homme. Parce que Zambia y a qui le coule la moto. Il a dit comme une terre. Il a parlé comme une terre. Babouaki. Et ils l'ont rejeté. Maintenant, qu'est-ce que nous, Naaman l'étranger, nous avons fait? Je suis ma belle à Motokena. Nous allons prendre cette terre pour la porter chez nous. Tokena, nous sommes là. Nous avons emporté cette terre. C'est Jésus, fils de l'homme. Israël a refusé. Et Israël a rejeté. C'est pourquoi la vie d'Israël, c'est pourquoi, comme ça, dans la vie d'Israël, il n'a jamais sacrifié un hôtel de terre. Dans l'écriture, il n'a jamais sacrifié sur un hôtel de terre. Cela représente que quand Dieu viendra comme un homme, Israël va le rejeter. Et puis, on a maintenu. Mais nous, Naaman l'étranger, nous l'acceptons. Aujourd'hui, nous sommes en parole et en acte. Aujourd'hui, tout ce que nous ferons en parole et en acte, nous allons les sacrifier sur cet hôtel de terre. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons les
wana. Et Dieu vous bénisse. Donc c'est ça la ligne comme terre où la femme azui. Ma belle wana ne santa oyo moi si atie makolo. Mais Israël l'a rejeté. Mais Israël l'a rejeté. Cela veut dire selon l'enseignement. Cela veut dire selon l'enseignement. Israël n'est pas entré dans cette terre. Israël a continué na mabele to na mbokelaka. C'est nous qui avons cette terre. Comme Israël a rejeté cette terre, c'est qu'il est stérile. C'est-à-dire que Israël aujourd'hui est stérile. Moi, c'est combat. Mais nous, nous ne sommes pas stériles. C'est pourquoi cette femme d'Apocalypse 12, elle est enceinte. Nous faisons bien comprendre. Aza Israël tena étape wana. Cette femme là par rapport à l'étape de la grossesse, elle n'est pas Israël. Azongeli bien. Nalolenga aza na grossesse. Donc la manière dont elle est enceinte, aza Israël. Cette femme là ne représente pas Israël. Parce que bazaka na grossesse na kati ya pays. Parce que on est fertile ou féconde quand on est dans la terre promise. Mais Israël a rejeté terre ou anakoya. Or Israël a rejeté cette terre qui est rejetée Jésus-Christ. Et cette terre, c'est nous qui l'avons. Mission de photos à la féconde. C'est nous qui devons être fécondes. Et Dieu bénisse. Amen. Là, tu décris Kalanano la femme. Là, nous avons seulement décrit la femme. Mais Nangambo Mouzouazana ennemi le dragon. Mais en face d'elle, elle a un ennemi qui est le dragon rouge. Et ce qu'on t'a dit dans Esaïe 14. Et si tu remarques dans Esaïe 14, dans verset 29, viens. Au verset 29, Balodi, basilic, a produit fruit dragon. On dit que le fruit du serpent basilic sera le dragon volant. Non, verset 29, viens toujours. Au verset 29, viens. Esaïe 14, verset 29. Esaïe 14, le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne te réjouis pas, pays des Philistins. On s'appelle la Philistin. De ce que la verge qui t'est frappée est brisée. Na lolenge te ligue ne sera qui kobeta yo et boukani. Car de la racine du serpent. Poète na mosisa ya nyoka. Sortira un basilic. Et comme ma nyoka mosusu ezali basilic. Serpent ya liboso na Assyrie. Ce premier serpent là c'était le royaume d'Assyrie. Et serpent mosusu ya wana basilic. Et le serpent qui vient après. Après Assyrie c'est Babylone. Après la Syrie, c'est Babylone. Maintenant, Makambo, ils ont servi à Babylone, va transporter directement à dragon volant à Apocalypse 12. Maintenant, les œuvres de qui se faisaient dans Babylone ont été transposées dans les dragons volants. Parce que les fruits, c'est les œuvres. Point de misala. Et son fruit sera un dragon volant. Et comme ça, nous voyons ces œuvres-là dans Médo-Perse. Il y a beaucoup de choses dans l'empire Médo-Perse. Mais le Seigneur avait pris toutes les œuvres de Babylone. Et les a amenés là-bas dans les dragons volants. Un dragon rouge. Donc c'est un dragon volant. Donc dans l'espace, c'est le diable. Le Satan. Il est dans un adversaire église. Et c'est lui qui est l'adversaire ou l'ennemi de l'église. Mais maintenant, comment il travaille? Maintenant, à ça la camoussala le sept têtes. Les dragons à sept têtes. Oui, ça n'a pas diadème. Qui ont des couronnes ou des diadèmes par motolé. Cette tête là sont montagne en Apocalypse 17. Si tu lis ces sept têtes d'Apocalypse 17, Esa 1, des montagnes vont entourer la femme. Premièrement, ce sont des montagnes qui entourent ou sur lesquelles la femme est assise. Mais on a les ça aussi sept rois. Mais ces montagnes représentent aussi sept rois. Et le même sont sur sept royaumes. Dans un autre langage, sept royaumes. Nous faisons bien comprendre. A présenté cette tête à la motole. On a présenté cette tête pourvue de couronne. Pour la côte à l'Isani. Pour montrer Égypte. Et l'Égypte.
Après Égypte, Assyrie. Après l'Égypte, la Syrie. Là, nous avons pris Esaïe 10, verset 24. Là, nous avions pris Esaïe 10, le verset 24. Comment l'œuvre que l'Égypte a faite, Assyrie a faite la tournée. Comment la Syrie est venue reprendre l'œuvre que l'Égypte faisait. Après Assyrie, Babylone. Après la Syrie, l'empire babylonien. Il y a une Basilie. Et celui qui est le serpent Basilie. Donc, Pesaki. Esaïe 14, 29. Nous avions donné Esaïe 14, 29. Nous avions aussi Jérémie 8, 17. Nous avions posé Jérémie 8, 17. Pour Pesaka aussi Jérémie 46. On donne aussi Jérémie 46. Verset 20 à 22. Le verset 20 à 22. On a besoin de gagner vraiment Nebuchadnezzar na Elobelia serpent. Là-bas, on l'appelle vraiment Nebuchadnezzar dans le langage du serpent. Pour Pesaka aussi Jérémie 51, verset 34. On avait donné aussi Jérémie 51, le verset 34. On a besoin de Nebuchadnezzar dragon. Là-bas, on appelle Nebuchadnezzar un dragon. Tout ce qu'on a mal. Amen. Je veux que vous saisissiez tout cela. Donc, on représentait vraiment le diable sur la terre. Après Babylone, Médo-Perse, l'empire Médo-Perse comme quatrième. Après Médo-Perse, Grèce. Après Médo-Perse, cinquième. Grec. Il y a aussi reçu Apocalypse 5, 17. C'est pourquoi en prenant Apocalypse 17, verset 8, le verset 8, Apocalypse 17. Nous très important. Nous voulons lire parce que c'est très important. Oui, Tobani, le verset 9. Le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 9 na 10. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes. Sur lesquelles la femme est assise. Voilà vraiment, ils ont des montagnes, ils ont tiré. Rome. Là, ce sont vraiment des montagnes qui entourent Rome. Vatican. Vatican. Ils ont d'abord des montagnes physiques. Donc, c'est d'abord des montagnes naturelles. Mais Zamba compare à roi peine à montagne. Mais le Seigneur compare aussi le roi aux montagnes. Dans mon verset 10. C'est pourquoi le verset 10. Bazon bimi sa vision, on en a deux interprétations. On nous donne deux interprétations pour cette vision. Ce sont aussi. Les alipés. Sept rois. Bakonti. Cinq sont tombés. Mitano bakoya baleka. Cinq ont été tombés à Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce. Les cinq qui sont tombés, c'est l'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse et l'Empire grec. Maintenant, dans l'ère où Jean a eu l'Apocalypse, il y a du temps où Jean recevait la vie. On lui a dit déjà, sept rois sont déjà passés, ils sont tombés. Cinq. Maintenant, on lui a dit, elle existe. Moko Azali Lelo. Montagne Ezaki Wana Ezaki Rome. La montagne qui était en ces temps-là, c'était l'Empire romain. Aza comme sixième. Aza loko la Mokonti Yamotoba. L'autre n'est pas encore venu. Mosusuna na yeite. L'autre n'est pas encore venu. Oyona na yeite. Tozomo na ye na katia. La femme. Nous les voyons dans la femme prostituée. Comment? Dans Total Apocalypse 13, verset 1. Lorsque nous lisons Apocalypse 13, verset 1. Money in bet. Nous voyons une bête. Nicolo Amai. Sur le zoo. Sur la mer. Tu es Apocalypse 17. Nous venons d'Apocalypse 17. Dans verset 15. Au verset 15. Money in femme. Nous voyons une femme. Nicolo Amai. Sur le zoo. Donc, place, il y a cette bête. Apocalypse 17, 15 est comme une femme. Donc, à la place des. De la femme prostituée. À la place de la bête d'Apocalypse 13, d'Apocalypse 17, c'est la femme prostituée. C'est la femme qui apparaît. Donc c'est la femme qui apparaît maintenant. Donc Élie Godin, c'est que c'est la femme. Femme wana. Dans cette femme prostituée, Nyon se zara qui a bête wana. Donc elle a en elle la plénitude de la bête. Parce que femme d'Azomona. Parce que c'est la femme qui apparaît. Est-ce que vous. Être sur les eaux représente la domination. Le monde, c'est comme les eaux ou la mer qu'on nous montre. Dans toutes les années. Dans le verset 15, il y a Boris 17. Le verset 15. Il me dit, je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les eaux que tu as vues. Moi, je lui ai dit, c'est ma maïoïomoni. Sur lesquelles la prostituée est assise. L'icolo yawa pi moi sindumba fani. Ce sont des peuples. Ezali babikolo. Donc, ce sont des peuples.
ba Ougandais, ba Congolais, les Ougandais, les Congolais, ba Kenya, les Kenyans, ba Français, le Français, ba Américains, les Américains, ba Monions, tous ces peuples là, femmes et femmes de là-bas. Cette femme prostituée est assise sur eux. C'est le verset. Et ça, les commis. Tu ne peux pas l'anéantir parce que c'est l'écriture. Ou bien que tu viennes avec ton ciseau, que tu puisses donner ta forme. Et cela deviendra une profanation. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Et ça dit, des foules, des nations, et des langues. Bakota et Naboye, les langues naturellement. Sokotangi au moment anetiki. La prostituée Fanny Nicolas Lingala. La prostituée assise sur la langue Lingala que nous parlons. Na français. Le français. Na Swahili. Sur le Swahili. Na Chiluba. Et tu l'anglais. L'anglais. Parce que Fanny Nicolas parle. Parce qu'elle est assise sur les langues. Ba langue wana ce sont des doctrines. Les langues représentent les doctrines, les idéologies. Vous allez voir quelqu'un parler lingala, tu as senti ça, c'est lingala. Sokutani na mutu, ebisi a prononcé 11. 11. Prononce 11. Ebisi o 11. 11. Déjà au ebisi on va ça. Directement tu connais déjà les territoires de sa province. Tu sais déjà qu'il est de Kamea Kamanga. Nous les aimons. Mais nous parlons seulement des accents. Il y a d'autres personnes dans leur langue, il n'y a pas de ré. Si tu vas attentivement. Tu dis là, celui-ci vraiment il est de ce côté-là. Donc, on comprend par rapport à l'obé langue. Tu le comprends par rapport à sa manière de parler. L'obé spirituel. Et la même manière aussi spirituelle. Tu croises quelqu'un. Il commence à t'expliquer. Na chaque temps, Zambatindaka prophète. Na tango moko Zambatindaka mosakolimo. Il n'envoie jamais de prophète. Déjà, oui, bi langue. Directement, tu comprends de quelle langue il parle. Celui-ci vraiment c'est un balamiste. Et tu le retrouves en train de parler sa langue. Il dit les cieux et les cieux de Dieu. Les cieux de Dieu. Le Seigneur a donné la terre aux hommes. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas au ciel? Témoin de faux dessins. Tu comprends seulement cela dans sa langue. Si tu rencontres quelqu'un dans la vie, il commence. Il a fait toutes choses pour un bit. Dans l'écriture, il y a les pourquoi. Dans l'écriture, il y a les pourquoi de chaque chose. Comment tu les regardes? Ensemble, oh, moi, la maman. Vous avez la maman, moi. Comprenez? Aujourd'hui, tous les saints de la Bible, ce sont eux qui prient pour nous. Moni Maria, tu vois, c'est lui qui nous a enfanté Dieu lui-même. Écoute seulement ça. Tu connais déjà de quelle langue il appartient. Catholique. C'est lui-ci vraiment. D'accord, mon néné. Donc, ce sont des langues. Et ça dit ma kota. Mais la prostituée est assise des îles. Parce que moi, c'est Numa Fandeli Yango. Bonjour, la langue est salée. Vous suivez le classement? Mais véritable langue. Mais la véritable langue, bien évidemment. Oza, hébreu spirituel, c'est l'évangile éternel. Qui est l'hébreu spirituel, c'est l'évangile éternel. La bonne parole. L'ité à solo. La prostituée Fandeli Yango. Moi, c'est Numa Kokite Kofandeli Yango. Et Dieu te bénisse. Elle n'est pas assise sur la parce que si Kafandeli, parce que là où elle est assise, vous allez remarquer qu'on élèvera plus un mortel que Dieu. Place procédure Fandi. Là où la prostituée est assise, on va élever des mortels à la place de Dieu.
L'assemblée de cette tombe là, dit Jésus-Christ. Dans l'assemblée de celle, nous n'élevons que Jésus-Christ. Nous tous, nous nous rabaissons. Nous disons que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et Dieu bénisse. Zambé a pas pour la vie. Donc c'est que, c'est-à-dire, Nakati na yango. Dans tout cela, Natawana, en ces temps-là, prophéties sont présentées. La prophétie nous présente. Femme Nazali Kolamai. La femme qui est sur le zoo. Mais dans Apocalypse 13, mais dans Apocalypse 13, la bête Nazali Kolamai. Et ça n'y a pas yaou l'idée. Cela veut dire travail à bête qui a dominé et y en a dans cette femme. Donc c'est-à-dire la domination de la bête a été investie dans cette femme. Nous aurons un malade. Nous nous faisons bien comprendre. Donc la puissance que la femme a travaillé dans l'eau, c'est de la bête. La puissance avec laquelle la femme travaille, elle appartient à la bête. Parce qu'elle m'a présenté mon côté de colo et ma maïnion. Parce qu'on a présenté la femme prostituée seule sur le zoo. Mais tant que Jean a reçu un message. Mais lorsque Jean recevait la vision, bah, il disait qu'il existe. Et l'autre n'est pas encore venu. Ça c'est le septième. Parce que le sixième est à Rome. Parce que le sixième c'est l'Empire romain. Maintenant, je vous avais montré que dans Apocalypse 13, il était des alas qui blessaient. Or, cette tête-là représentait ces pouvoirs-là du temps. Et tête blessée, les autres les annonçaient. Empire romain. Que l'empire romain que le Seigneur était venu trouver sur la terre. Et Panzana. Dans cet empire était disloqué. C'est ça la blessure mortelle de la bête. Amen. Mais tant qu'on a blessé, on va dire que la bête qui était n'est plus. Et quand cette tête-là est blessée, c'est ça le langage de la bête qui était Azal sous terre. Tant qu'on va le dire n'est plus. Quand on dit Azali sous c'est la femme qui apparaît Nicolas Maïnion. Et ça, moi, c'est nous bandé à Timi Nicolas Maï. C'est l'église catholique romaine. Et ça, l'église, il y a mon père dans l'homme. Parce que femme, attendez, ça une église aussi. Parce que la femme représente aussi une église. C'est une ville. Et c'est Mbumba. En verset 18. Au verset 18. Mais qu'on. Kabola vin ayazo kabola ngo par rapport à enseignement ya mabé. Mais elle distribue son vin par rapport à son faux enseignement. Parce qu'azo menisa ba fandi nyonso ya mabélé vin ay. Parce que elle abreuve tous les habitants de la terre de son vin de l'impudicité. Mais la femme ya Apocalypse 12 a kozo vin ya dragon terre. Mais la femme d'Apocalypse 12 ne va pas recevoir le vin du dragon. Azo préservé. Yé abat. L'ami. Soleil est aussi gagné comme la protection. Soleil qui l'enveloppe comme un vêtement, sa protection. Dieu bénisse. Amen. Et comme Asa déjà dans pays appelé la lune. Comme elle est déjà dans le pays appelé la lune. À quoi avorter? Elle ne va pas avorter. Et ton monde bien cette femme diaboti. Et nous voyons bien cette femme jusqu'à son accouchement. Dragon Simba Moanate. Les dragons n'avaient pas touché à l'enfant. Mais il y a que dragon. Mais sache que les dragons. Azalaki na sept têtes et zanaba motole. Les dragons avaient sept têtes qui avaient sept diadèmes. Il y a koloba. Cela veut dire. Tête nios azana motole. Tête nios azana motole. Tête nios azana motole. Chaque tête a une couronne ou un diadème. Il y a koloba. Cela veut dire. Ma nation en a nios. C'est en Égypte. Azako dominé la Tanaï. Donc cela veut dire que l'Égypte est dominée en son temps. La Syrie a dominé qui n'a pas la Syrie dominait aussi en ce c'est ça, pas diadème. Il y a mon débat pour tous les amis, tout en a yamana mana yaouli. Tozora na malam. Amen. Maintenant, tant qu'ozo y'a en Apocalypse 13. Maintenant, lorsque tu viens d'Apocalypse 13, bah diadème et keïna d'icône. Les diadèmes ont été transférés aux d'icône. Quoi les signes prophétiques et vous savez même après notre enlèvement. Là, c'est le signe prophétique de ce qui va s'accomplir après l'enlèvement de l'église. Par la grâce de Dieu. Nous allons les montrer par la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a les 10 rois où ils vont régner pendant une heure avec la bête. Une semaine, 7 jours. Un jour, moko ezaneti inane. Et là, un jour représente une année. Il faut dire ça 7 ans. Et cela représente 7 ans comme ça.
Yebaboye. Sache ceci. Tangu Noa zalaki na arche. Lorsque Noé était dans l'arche, azakotinda korbo azokenda zozok. Il envoyait les corbeaux al qui partaient et qui revenaient. Après ayekotinda colombe. Après les corbeaux, il envoya la colombe. Colombe tangwa kei. Lorsque la colombe est partie, akutana batu mususu ki korbo tanga kenda ki aboyi kozonga ki kolia ba deba kenda kokuta verse wanezate. J'avais trouvé des gens en train de confesser que quand on avait envoyé le corbo, il était allé manger des cadavres. Il a passé verse wanezate. Il mangeait des cadavres, de la pourriture de ceux qui étaient morts. Verse wanezate. Il n'y a pas intérêt. Et comment que korbo allait et revenait? Asalaka kokenda zozonga. Et tel ça aussi comme un temps. Et cela représente tout un temps prophétique. Et tel ça comme taille à loi. Donc le temps de la loi. Il faut aimer que corbo et yako kabela et libile. Il faut savoir que le corbo était venu nourrir le prophète Élie. Mais place est pour nourrir Élie. Mais là où il était venu nourrir Élie, torrent et kaoka. Les torrents de Kérit avaient tari. Donc Azaraki nourri par corbeau, mais maille prendre faim. Donc Élie était nourri par les corbeaux, mais les torrents de Kérit avaient tari. Élie Moussousou Jean-Baptiste. Et notre Élie Jean-Baptiste. Kuna corbeau tendaya. Là-bas, ce n'était pas les corbeaux. Il a vu la colombe. Amona qui pétait bénin. Mais wana ezalaki na fleuve. Mais là, c'était dans le fleuve Jourdain. Cela représente le signe des deux sacerdotes. Sous ce vous prendre faim. Et l'autre va prendre faim. Sous ce vous continuer. Et l'autre va continuer. Et qui ne t'arrivera pas. C'est ça l'aspect de ces deux oiseaux. Yangonde lolenga ba ndekewa na mibali. Corbeau et colombe. Yanganga na ebenga. Mais tangu colombe a venu pour la première fois. Mais lorsque la colombe est sortie pour la première fois, il n'avait pas trouvé le lieu où poser son pied. Parce que la Bible, ma colo, ils allaient taper mon tour. Parce que dans la Bible, les pieds c'est aussi la tête. Nous faisons bien attendre. C'est pourquoi Jésus-Christ a tout naquillé un pharisien mogo Seigneur. Un pharisien lui avait dit. Où demeure-tu? Où fait d'accord? Alobi le renard le Daniel. Mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais il avait pris le lieu où poser sa tête après l'œuvre de la croix. Parce que Christ est la tête et le chef de l'église. Pour Christ, Azali, mon tout paix, mon conti ecclésia. Mais lorsqu'il était venu à Israël, il n'avait pas trouvé les lieux où poser sa tête. C'est textuellement. Et Azali, l'olenge, colombe. La même manière, la colombe. Mais si Kaisate. Il n'a pas trouvé les lieux où poser son pied. Et cela représente l'état du ministère de Jérémie à l'Israël. De Jésus en Israël. Et Jésus a l'obat qui? Et Jésus avait dit. Un peu de temps vous ne me verrez plus. Tant mon kébo comme on a mis sous terre. Un peu de temps vous me verrez. Et tant mon kébo comme on a kangaï. Car je serai en vous. Pour na kosala ka katina bino. C'est ça le retour à colombe na tawana akei na arche. Ne kosonga yebenga na kata masua noua. Parce que l'olenge zamba netoami ake ma colombe. La même manière le Seigneur est fuite enlevé pour aller au ciel. Aïe pe na kata na biso na acte 2. Il est venu en nous dans acte 2. Il est en nous. Je ne vous laisserai pas en fait. Et colombe a sali maintenant 7 jours. Et la colombe est restée 7 jours dans l'arche. Sept jours où on les attend, ça marche l'église qui est en perfection. Et ces sept jours-là, c'est tout le temps aujourd'hui de la marche de l'église jusqu'à son enlèvement, la perfection. Maintenant, ce qui est sept jours, il faut abîmer. Maintenant, si les sept jours s'accomplissent, la colombe doit sortir encore. Dans Romains 11, Bazouaka, un arbre appelé Olivier. On prend un arbre appelé l'Olivier. Et Olivier Franc. Et là, il y a Mboka. À Katagaronda. Qu'on avait retranché quelques branches. Pour la sa incrédulité à Israël. Pour montrer quelques Israélites qui n'avaient pas. Bazouba Olivier Sauvage. On a pris Elaya et Zamba. Bissoba Nation. Nous, les gens des nations. Oh, crois. Qui avions cru. À Ante Bissona Olivier. On est venu nous greffer dans l'olivier franc. L'église aujourd'hui, c'est l'olivier. Aujourd'hui, l'église, c'est l'olivier. Après 7 jours, la colombe va faire à Olivier. La colombe sortira encore pour prendre la feuille de l'olivier.
Feuille d'olivier, on a c'est tout un peuple. Et cette feuille de l'olivier, c'est tout un peuple. Ils ont dit ça l'enlèvement, l'inétoile. Prendre la feuille de l'olivier représente le Seigneur qui vient nous prendre pour l'enlèvement. Ce qui était pour aller l'église. Si cette étape-là passait, Noé attendra encore 7 autres jours. Noé attendra encore 7 autres jours. Donc, ta feuille est contie. Lorsque la feuille est entrée dans l'arche par la colonne, Azeli 7 jours. Noé attend encore 7 jours après notre enlèvement. Et ces 7 autres jours-là viennent après l'enlèvement de l'église. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, ils ont dit que après le départ, ils ont une semaine. Et cela montre qu'après notre départ, il y a une semaine de 7 jours. Une semaine où ils ont un programme pour la salut à Israël. Et dans cette semaine-là, il y a le programme pour le salut d'Israël. Mais l'olivier est au côté. Mais nous, la feuille de l'olivier, nous entrerons dans l'arche. Une semaine où ils ont un verset 27, il y a Daniel 9. Et une semaine-là, c'est au verset 27 de Daniel chapitre 9. Ils ont le là. Dernière semaine, il y a 70 semaines. Qui parle de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Dans Apocalypse 11, au temps politique, tu lis Apocalypse 11, la manière dont le Seigneur viendra sauver Israël. Programme une semaine ou bien 7 ans. Et tous ces programmes-là s'accomplira dans une semaine ou 7 années comme ça. Dans un autre langage. Apocalypse 17, une heure. Dans Apocalypse 17, on l'appelle une heure. C'est pourquoi lorsque nous arriverons au 7e saut, on a il est silence dans les ciels. L'attente comment dans 7e saut. Là, lorsque nous arriverons au 7e saut, demi-heure, il y a silence dans les ciels. Demi-heure de silence dans les ciels. Cela veut dire que demi-heure, on est ici. Cela veut dire si cette demi-heure prend fin, le bruit va retourner là-bas au ciel, là où il y avait du silence. Oui, parce qu'il va y avoir que ça n'a pas demi-heure. Parce qu'on t'a dit que cela ne fera que demi-heure. Cela veut dire que demi-heure, on est coquille. Cela veut dire que si la demi-heure. La ciment. Après. Le bruit va retourner au ciel. Oui. C'est très simple, il va y avoir que clairement. Attends, ton commande à 7e saut. Lorsque nous arriverons au 7e saut. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, on est en son alobi pour l'alobéli. Le tiroir va corriger pendant une heure. J'ai dit toutes ces choses parce que. J'avais montré que les 10 rois vont régner pendant une heure. Une heure, on a essayé de nous souhaiter les 7 ans. Et cette une heure-là, c'est un autre langage de 7 ans après l'enlèvement. Nakati Ali Kamandoé, après que la feuille Olivier Koti, ils en a 7 jours encore. Et dans ce qui s'était passé avec Noé, après l'entrée de la feuille de l'olivier, il y a 7 ans. Et 7 jours, on était à 7 ans. Et 7 jours-là représentent 7 ans dans la prophétie. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, et là, quand on y est, ce qu'il faut savoir est que Eza que dragon Dagona a coca colonga moi cité. Il n'était pas parvenu à vaincre la femme. Et à votre côté, que l'église vous aura séduite. C'est pourquoi nous allons toujours prêcher que l'église ne sera jamais séduite. Mais tant au moni moi si wana a boti. Mais quand tu vois cette femme-là accoucher ou enfanter, l'enfant qui fut enlevé, c'est seulement la même femme, mais qui est parvenue à la perfection. C'est maintenant l'épouse. Je vais lire pour aller atterrir par la grâce du Seigneur. Et tu vas continuer par la grâce de Dieu dimanche à mardi. Et le dimanche et le mardi, nous allons continuer encore avec cela par la grâce du Seigneur. Et après, tu recontes dans le 5e saut. Après, nous entrerons dans le 5e saut. Tolobi Bouye. Nous disons ceci. Sokozu, verset 5, c'est Apocalypse 12. Prends le verset 5 d'Apocalypse 12. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Le verset. Et l'enfant d'Église. Apporte-t-il moi, Mouban. Qui doit peindre toutes les nations avec une verge de fer. Oye, Seigneur, il y a Kambabi, Kolonyo, Somapele, Nalinge, Dali, Bende. Omoni et Tenyoy. Vous voyez cette portion de l'écriture. Omonango, na Église, Yatiatirna. Apocalypse 2, verset 26-27. Vous allez voir cette portion de l'écriture comme la promesse faite à l'église de Thyatire dans Apocalypse 3. Nazotanga,
Apocalypse 2, verset 26, 27. Apocalypse 2, le verset 26 à 27. Kuna tomoni, là-bas nous avons vu le fils qui fut en l'église. Il va perdre toutes les nations. Maintenant, tous on comprend le fils en haut. Apocalypse 2, verset 26, 27. Maintenant, nous voulons identifier ce fils dans Apocalypse 2, le verset 26 à 27. À celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argent. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Ici on parle de l'église. Batalisi les vainqueurs. On montre les vainqueurs. Et à compétre toutes les nations. Ce sont eux qui vont perdre toutes les nations. Promesse. Cette promesse. Il y a moi dans Apocalypse 12, verset 5. Se retrouve dans Apocalypse 12, le verset 5. Moi, non. Cette femme, cette enfant-là. C'est un vainqueur. À sa Molongi. Parce que Molongi n'est parce que c'est au vainqueur qu'on donne la promesse de conduire ou de dominer les nations. Et on l'a vu dans Apocalypse 2, verset 26 à 27. On l'a vu dans Apocalypse 2, le verset 26 à 27. On continue dans le verset 5e, toujours Apocalypse 12. Je continue au verset 5 d'Apocalypse 12. Et son enfant fit enlever vers Dieu. Et moi, Nanaye, à Netoami et pas Yanzambé. Et vers son trône. Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 21. Qu'on trône. Le verset 21. Recevoir le trône. C'est, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, elle me suis assis avec mon père sur son trône. Cet enfant-là va s'asseoir sur le trône. Or, les promesses dans ma petite église. Or, c'est la promesse que le Seigneur a faite à l'église. Est-ce que vous suivez pourquoi je dis que cet enfant-là c'est l'église? Tout ce que ce fils-là est déjà dans l'église. Et Zali Bilaka va saler l'église à ceux qui a longi. Donc, après combat avec le diable, après le combat avec le diable et Satan, et nous allons vainqueur, alors nous serons des vainqueurs. La vainqueur est basée sur la promesse où on a le trône. Et ce sont les vainqueurs qui ont cette promesse de s'asseoir sur le trône de Christ et Jésus. Il y a moi dans le baguette. Cet enfant-là, c'est l'église arrivée à la perfection. C'est pourquoi nous affirmons que moi, Nawano, Netoma, qui l'église a commis Naboko qui ben. L'autre jour, Nathalie Sakibino, que nous regardons au travers d'un miroir une image. Mokolo, le cas qui Nathalie Sakibino, totala kanakata qui talatala, elilingi moko. Image, wana, c'est le fils. Elilingi, wana, ne mouana moubali. Tous a transformé à la même image. Le fils, otobongwani. Nous regardons le fils dans miroir, on a toutes les écritures saintes. Ils ont nommé Jésus. Ils parlent de Jésus-Christ. Tout le temps, la parole. Tout le temps, la transformé Jésus. Jésus est la lumière. C'est pourquoi Jésus est la lumière. Il se parle au maquis, vous êtes. Et il avait dit aussi, nous tous, beaucoup, nous sommes la lumière. Une lumière, Jésus-Christ. Dans un autre la vous êtes Jésus-Christ. Vous êtes Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la lumière. Vous êtes Jésus d'épaulé. Il y a mon rôle à ministère. C'est pourquoi le rôle du ministère. Et Zali, point, mais ma biche, comment Christ. C'est pour nous amener à devenir Christ dans sa stature parfaite. Par le statut parfait de Christ. On le lègue Christ à Zali. Ah, tel que le Christ est tel que nous devons être. C'est ça le rôle du ministère. Il y a mon émo salaire au tomo. Donc, tous ceux qui parlent pour notre comme un fils. Donc, nous écoutons la parole pour devenir le fils. Ose à la sœur. Que tu sois une sœur. Ose à la frère. Que tu sois frère. Et ça pour comme un fils. Et ça pour comme un moi dans mon bail.
fils on a dit tolobaki représentation des hommes. Et ce fils là nous avons parlé la présentation de la présentation des hommes dans l'année. Oui. Je pense que vous comprenez bien cela. Je pense que vous comprenez toutes ces choses. Et Dieu bénisse. Ça à pas pour la bino. Mais par la grâce de Dieu, on a la continuité et Apocalypse 12. Par la grâce de Dieu, nous allons voir la continuité d'Apocalypse 12. Il y a mon dieu tout le monde à ma cambo et à ma casse ou et koya et ça pega kana. Continuité, il y a quatrième saut. C'est pourquoi les choses difficiles ou fâcheuses qui arriveront sur la terre, c'est dans la continuité du quatrième saut. Au moins, quatrième saut pour notre clôturer. Le quatrième saut pour clôturer encore. Dans verset 8. Au verset 8. Au moins, portion. Vous voyez cette portion. Dans verset 8. Au verset 8. Le pouvoir leur fit tourner sur les quarts de la terre. Ma coquille est pesamélien, l'icolo, y'a mon conamine, y'a ma belle. Et tenu comme dans le pouvoir. Vous voyez cette portion du pouvoir. Église à Zazoupé. Il n'y a plus l'église sur la terre. Donc, moi, tu as bien l'épouse. Que nous appelons l'épouse, moi, c'est Anibala. Asaki. Elle est déjà enlevée. Mais tenu les os salés. Maintenant, cette portion de l'écriture. Le pouvoir leur fit donner sur les cartes de la terre. Ma coquille peut s'améliorer. Pour faire périr les hommes par l'épée. Pour na kopo mabato na mopanga. Par la famine. Na banzala. Par la mortalité. Na liwo. Et par les bêtes sauvages de la terre. Fais la banyama kanza ya mabele. Yangonde to komo na continuité oyoyo. C'est cette continuité que nous voulons. Comment dans les pouvoirs. Après que moi nous verrons cette continuité après l'enlèvement du fils. Lorsque le fils fut enlevé, ma papou maintenant les deux aigles ont été pourvus à la femme. Moi si maintenant le désert. Et la femme fut amenée dans le désert. Donc dans verset premier, Zalaki moi si à Nicolo. Donc au verset premier, elle était une femme du ciel. Mais comme dans verset 6, Zokita a commis assez. Maintenant au verset 6, elle est devenue femme de la terre. Wana commis Israël. Maintenant là, la femme devient peuple d'Israël. Parce qu'elle a eu les deux aigles. Ces deux aigles sont Élie et Moïse. Donc, ces deux aigles viennent après l'enlèvement du fils. Non, je quand la femme est enceinte, elle n'a pas les deux aigles. C'est comme ça qu'est l'écriture. Lorsque la femme a enfanté, cet enfantement-là, c'est ça l'enlèvement. Après les deux aigles, lui est pourvu, lui sont pourvus. Là, ce sont les deux témoins. Mimi Israël na désert. Et qui amène Israël dans le désert. Donc vous expliquez que désert on a par la grâce de Dieu. Nous allons expliquer ce désert par la grâce de Dieu. Mais quand on y sera, il y a semaine où ils ont dit qu'à une semaine. Et tous ces événements là, c'est dans une semaine après l'enlèvement. Mais il faut qu'on commence à en mettre pour l'occol à Oyaki Oyoki. Il y a pas qu'un zan va résoudre un peu ma problème na yo. Mais il faut glorifier le Seigneur parce que comme tu étais venu écouter, Dieu a donné solution à tes problèmes. Ça là la silence. Aie cette assurance. Il y a pas que la parole est la solution à Dieu. Sache que la parole c'est la solution en tout. Tout problème aux en amour, crois que le Seigneur a résolu. Crois que le Seigneur a résolu tous tes problèmes. Et au côté de toi là. Et tu vas les témoigner. Zambé a zamoné na consacré. Le Seigneur est grand, il ne ment jamais. Quand tu crois, ceux qui ont dit mi, Zamba zopé sa yéro aux en amour. Le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Au nom puissant de Jésus Christ. Et que la paix du Seigneur est en amoko na moko. La paix du Seigneur soit le partage. Zambé a bomba yo passale na moko na moko bola. Que le Seigneur vous garde et fasse du bien à tout un chacun. Seigneur, merci parce que vous allez Zambé na ngolu. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des grâces. Yo de o sale li biso bola mumingi. C'est toi qui nous as fait beaucoup de bien. Kimia na yo ezala na moko na moko. Que ta paix soit le partage de tout un chacun. Bole na yo ngingi sanzela ya moko na moko. Que ta lumière brille sur les chemins de tout un chacun. Au nom de Jésus Christ. Ah. Amen. Amen.